Vous appelez les personnes qui sont en vous la troupe. Oui. Ces gens vous parlent ? Continuellement. Et vous, vous leur parlez ? Continuellement. Et ils se parlent entre eux ? Oui, mais pas tout le temps. Petit Joe n'a absolument rien à voir avec Lady Catherine. Petit Joe, parlez-moi de lui. Comment est-il ? Je suis grand. Je suis noir. Je protège les enfants. Et Lady Catherine ? On trouve que je suis guindée. En fait, je suis surtout très bien élevée. Je vois qu'il y a trois autres Catherine sur cette liste. Trois autres. Catherine la Noire, avec un K. Vous n'aimeriez pas me rencontrer. Je suis l'enragée de la troupe. Il y a Sœur Marie-Catherine. Je fais ce qui est juste, toujours. Et pour finir, il y a Catherine. Vous pouvez me considérer comme une femme très sophistiquée, mais qui sait rire aussi. Elle a le sens de l'humour. Elle est beaucoup plus rusée qu'on ne le pense. Vous riez, ou vous faites rire quelqu'un, ou les deux en même temps. Rien ne pourrait fonctionner sans le rire. Absolument rien. Et il y a celle que vous appelez 14 aussi. C'est une excellente femme d'affaires. Je peux vendre n'importe quoi à n'importe qui. C'est une saison où il faut être joyeux. Je l'ai enfin trouvé, Stanley. Quoi ? Trouver qui ? L'homme ! Il est encore en vie. Ça y est, je sais exactement où il est. Je sais très bien comment faire maintenant. Trudy, écoutez-moi s'il vous plaît. Avant d'aller où que ce soit, il faut qu'on se voie. C'est vous qui allez m'écouter, Stanley. Vous l'avez dit, n'est-ce pas, en certaines circonstances. Vous aussi, vous ressentez ce genre de pulsion très forte, ce besoin de tuer une personne. Il y a une différence entre ressentir ce genre de pulsion et le faire réellement. Je veux Stanley, que... j'ai cette terrible pulsion destructrice en moi. Et je vais tuer cette espèce de salaud, c'est décidé, c'est la seule solution. Et l'Irlandais maintenant. Il s'appelle Ian, n'est-ce pas ? Un poète philosophe. Oh, il était pas de temps. Avec cette façon de dire ce qui doit être dit. Et comment est mademoiselle superbe ? Certains disent que je n'ai qu'une seule cellule qui fonctionne dans ma cervelle. Et aucune imagination au point de vue sexuel. C'est vrai ? C'est vrai quoi ? Que vous n'avez aucune imagination au point de vue sexuel. Madame Chase ? Oui. Vous voyagez seule aujourd'hui, Madame Chase ? Non. Nous ne sommes jamais vraiment seuls. Être ou ne pas être, quand il sera devant moi, est-ce que je lui dirai qui je suis ? Ou est-ce que je le laisserai mourir en essayant de le deviner ? L'hôtesse n'a rien compris, bien sûr. Nous sommes un tas de gens dans une seule enveloppe. Pas 5, pas 10, pas 20. Si on était enrôlé dans l'armée, on serait en nombre suffisant pour couvrir le front, l'arrière et les flancs. On est la troupe et on doit exécuter les ordres ce soir. Est-ce que tu m'entends ? Trudy ! Écoute-moi, je suis en train de te parler. Les mauvaises petites filles attirent toujours les mauvaises choses sur elles. Et tu es trop jeune. Trop bête pour comprendre ce que je suis en train de te dire. Le sexe, c'est sale.
et les filles bien élevées ne parlent pas du sexe et n'y pensent pas non plus. À partir de maintenant, je veux que tu m'appelles chérie. Je veux que tu m'appelles mère chérie ou mère adorée. Tu as entendu, mère chérie? Je suis ta mère. Tu sais ce que ça veut dire, Trudy? Tu comprends ce que je suis en train de te dire? J'ai vécu 9 mois d'enfer pour que tu viennes au monde. Je t'ai donné ton premier souffle de vie. Je t'ai donné mon sang, donné ma chair. Tu me dois tout, tu m'entends? Tu m'appartiens. Si tu n'avais pas été en moi, tu ne serais pas sur cette terre. Et tu ne dois jamais, jamais oublier ça. Tu ne dois jamais, jamais oublier ce que je viens de te dire. Viens avec moi maintenant. Tu dois mériter de vivre ici. Nous devons tous mettre la main à la pâte. Prends ce panier. Et ne reviens surtout pas avec des œufs cassés. Chien? Hein, t'as faim? Thank you.
petit jeu qu'on fait tous les deux. C'est à moi et à toi, c'est tout, d'accord? Rien que nous deux. Et tu diras jamais rien à personne, t'entends? Je sais rien, j'ai perdu ma langue. Redis-le. Je sais rien, j'ai perdu ma langue. Va à l'école. Hé, Trudy, viens voir, les serpents. Les viens, Trudy, viens voir les serpents. Va à l'école. Je suis désolée de vous avoir fait attendre. Vous êtes... Trudy. Trudy Chase. Bien, suivez-moi, Trudy. Il est comme ça, il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a aucune raison. Attendez une seconde. Oui? Ne soyez pas timide, venez, approchez. Homer, je vous en prie, essayez de m'éviter tous les détails horribles. On ne va jamais s'en sortir. Allez-y, posez votre travail sur l'une de ces tables. D'accord, d'accord. Écoutez, allez-y progressivement. Vous lui téléphonez, vous prenez un rendez-vous avec eux, et je suis certain que Harry et Jude et tous les autres seront ravis de vous recevoir. Et ensuite, on pourra décider si c'était vraiment sérieux ou non, toute cette affaire. D'accord? Bien, ciao. Alors? Salut. Trudy Chase. Oui. Trudy avec deux D et un I, c'est ça? Bien. Dites-moi, Trudy, votre réaction si je vous demande de faire de petites choses, disons, moins soignées, moins détaillées? C'est d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Non? C'est une horreur, le travail avec nous. C'est pas grave. On n'a pas d'horaire. Noël, on est là. Nouvelle année aussi, Pâques. Les vacances, quand tout le monde a quitté la ville, nous, on se fait bronzer à la lumière électrique. Ça veut dire quoi, au juste? Je suis prête à me faire bronzer à la lumière électrique toutes les nuits s'il le faut. Vous pouvez compter sur moi. Excusez-moi, mais Pelletier est à l'aéroport. Son avion part à 11h30. André, mon ami, comment vas-tu? Attendez, attendez. Vous pouvez me laisser vos dessins? Je vais les regarder plus tard. Oui, bien sûr. Attends, Sharon. Allez-y, emmenez Trudy avec deux D et un I. Et offrez-lui un café, s'il vous plaît. Je suis Sharon Barnes. Bienvenue dans la famille. Hein? Vous êtes engagée chez nous? C'est vrai, ça? C'est vrai? Ah, j'ai rien entendu. Il n'a pas dit si j'étais engagée. Il en dit encore moins parfois. Félicitations. Vous connaissez le chemin? Non, non, attendez, Sharon. Vous êtes sûre? Totalement certaine. J'irai danser à votre mariage. Allô, Monsieur Thompson? Je suis Norman DeRoyne. Trudy Chase vous a mentionné sur son curriculum. Oh, ça fait un bout de temps que je n'ai pas entendu parler de Trudy. Mais je suis ravi qu'elle ait mentionné mon nom. Elle est très douée. Je suis content de le savoir. Par contre, elle ne m'a donné aucun renseignement sur sa famille dans son curriculum. J'en déduis qu'elle est fille unique et que ses parents sont décédés. Désolé, Monsieur DeRoyne, je ne peux pas vous aider à ce sujet. Mais vous pourriez me dire si le 4021 Richmond à Miami a bien été sa toute dernière adresse? Trudy n'était pas de Miami. Elle est née dans une petite ferme près de Rochester, dans l'État de New York. C'est là que je l'ai rencontrée. Elle avait abandonné les études et elle était secrétaire depuis 2 ans environ. Très efficace. Et quand j'ai ouvert ma société à Miami, je l'ai engagée.
Elle est restée avec moi un peu plus de 2 ans, jusqu'à ce qu'elle décide d'aller étudier l'art commercial dans le Connecticut. J'étais triste de la perdre, mais elle avait raison de le faire. Je suis certain que vous la trouverez tout à fait compétente, créative et en plus de ça, charmante et très agréable. J'ai eu tout de suite cette impression, en effet. Merci infiniment pour ces informations, Monsieur Dobson. Je vous en prie, Monsieur Leroy. Je vous en prie. Est-ce que j'ai réussi à me délivrer de lui? Avez-vous réussi? Nom d'un chien, arrêtez de jouer au psychiatre tordu avec moi! Je pense que vous vous êtes délivré de lui il y a déjà très longtemps. Comment? Mais vous ne le savez pas. Vous ne savez rien de moi. Peut-être. Mais ça viendra certainement. Je sais ce que c'est que de l'entendre marcher dans une pièce. Sentir son odeur au milieu de la nuit. Sentir son souffle au-dessus de moi, sentir ses mains qui me touchent. Oh mon Dieu, Stanley. Ce sont des choses dont on n'arrive pas à se dégager. Elles sont ancrées à jamais en moi, cachées, en attente. Je suis toujours là, moi aussi. Je suis là pour vous aider. Vous pouvez compter sur moi, Trudy. Servez-vous de moi comme unité de soutien. Considérez-moi comme votre unité de soutien. Vous pouvez le faire. C'est bientôt l'heure, mes amis. Allez, on y va. Attention, plus que 11 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, de mon père. C'est lui qui me l'a offert pour mon anniversaire. Parle-moi de lui. Non. Pourquoi non? Pourquoi je le ferais? Pourquoi tu le ferais pas? Tu sais, je l'ai très très peu connu, seulement quand j'étais toute petite. Divorce, il est parti très loin, voilà. J'ai une fan de loupe à toi. Pour Siki? Oh! Non, j'avais pas compris. C'est tout à fait exact. Ouais. Très bonne idée, en effet. Bah ouais, je peux le faire. 21-03. D'accord.
D'accord. Très bien. Bye. De quoi parlait-on tout à l'heure? Une vieille amie avec laquelle tu as eu une jolie petite aventure. Et qui voulait te souhaiter une bonne année? Non. Un nouveau client de la Boyle's à Aaronburg. Il sera dans le coin aujourd'hui. Il me propose un dîner d'affaires pour ce soir. Hein? Ouais, d'accord. On dirait que ça t'ennuie de me parler de ta famille. Non? T'avais l'air fâché tout à l'heure. Non, pas du tout. Ah si, tu l'étais. Non, et pourquoi je le serais? Si, et tu l'es encore. Tu veux que je te dise? La famille, on l'accepte ou bien on l'enterre, c'est ma devise. Arrête, tu dis des bêtises. Pas du tout. Alors c'est toi qui me parles de devise? Oui, tu as raison. Voilà, c'est toi qui es fâché maintenant. Je suis pas fâché. Si, tu l'es. Mais non, c'est pas vrai, j'essaie simplement de te dire ce que je pense. Dis-le alors. Je ne suis pas ton père, je ne suis pas ta mère. Et ça me ferait plaisir d'être l'homme de ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais te sortir de mon lit, te conduire à l'église et t'épouser. Pourquoi tu tiens à ce qu'on se marie? Parce que je t'aime. Tu saurais le redire en me regardant dans les yeux? Norman, sois un peu réaliste. Tu sais, je suis vraiment très touchée, mais... Pour être honnête et de bonne foi avec toi, je crois que je te déchirerais le cœur. Je suis sûre que non. Oh, Norman. Alors, je vais être franche. Je serais une épouse horrible. Je deviendrais alcoolique et désordonnée. J'amènerai plein de petits copains chez nous. Je laisserai la vaisselle sale dans l'évier. J'oublierai un tas de choses, continuellement. Je laisserai les factures impayées. J'utiliserai l'argent pour toute autre chose. Je trouve toujours un moyen de les dépenser. Norman, pourquoi ne pas continuer à se voir, rester ensemble? On est bien comme ça. Pourquoi changer? Plein de gens le font. C'est plus raisonnable, non? Sois gentil, réponds-moi, Norman. Les saucisses sont brûlées. Dis-moi, ton nouveau client, il vient d'où? Cheyenne, Wyoming. Bien. Je suis curieuse d'entendre comment tu vas annoncer à ce cow-boy qu'il va devoir dîner tout seul ce soir. Qu'est-ce que vous désirez le plus, Trudy? La vengeance. Tous les enfants souhaitent se venger, Stanley. Quelque chose comme une longue torture qui durerait des années. Un mal qui le rongerait et avec lequel il devrait vivre chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, comme moi. Il nous est impossible d'effacer le souvenir, Stanley. Moi, Norman, je désire que Trudy devienne mon épouse. Je jure de l'aimer et de rester à ses côtés, à partir de ce jour et pour toujours, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse ou la pauvreté, dans la joie ou dans la détresse, jusqu'à ce que la mort nous sépare à jamais. Je te le demande devant Dieu.
Moi, Trudy, je désire que Norman devienne mon époux. Je jure de l'aimer et de rester à ses côtés à partir de ce jour et pour toujours. Pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la joie et dans la détresse, jusqu'à ce que la mort nous sépare tous les deux. Je lui demande devant Dieu. Là, sec, s'il vous plaît. C'est pas croyable. Absolument pas croyable. Mon Dieu, qui sur cette terre peut être tout le temps charmant? Y'a personne? Non, personne, c'est sûr. Comment vous appelez-vous? Édouard. Vous voulez que je vous dise quelque chose, Édouard? À la minute, exactement à la minute où il a mis cette bague à mon doigt, j'ai su vraiment ce qu'il espérait de moi. Non, je ne veux pas être gentille! J'ai menti et je vais trouver le moyen de tuer ce type! Encore un refus. Un autre refus. Et un autre refus. Vous avez une idée de ce qui va se passer? Il va tous nous rendre fous, tous, sans exception. Et finalement, il va vouloir exactement ce qu'on lui a proposé au début. Peut-être, mais en attendant... Attends une minute, Sharon, est-ce que tu as gardé le logo de son numéro de téléphone et de son nom? Oui. Ah. Très bien, vous allez me faire un dossier complet en mentionnant tout le temps passé là-dessus ces 6 derniers mois. Norman, ce que non, tu oublies... Non, écoute-moi une minute. Ensuite, téléphone à Bernie et essaye de voir avec lui comment se passent les paiements. D'accord. Voilà, qu'est-ce que tu voulais dire? Eh bien, j'ai l'impression que tu oublies... Je suis enceinte! Qu'est-ce que tu dis? C'est simple, bon sang, j'attends un bébé, c'est ta faute! À cause de moi ou grâce à moi, c'est comme tu l'entends? Je t'aime, Trudy. Et j'aime cet enfant, je suis heureux, chérie. En ce moment, je me sens terriblement heureuse. Je voudrais que tu saches, Trudy, je suis vraiment content que tu ailles bien et que le bébé aille bien. Elle est parfaite. C'est le plus mignon de tous les bébés. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Oh, elle est adorable, hein? J'ai cherché, j'ai pas trouvé le moindre petit défaut. Je m'éloignerai jamais d'elle, Trudy. Merci, Trudy, mille fois merci. Je t'en prie, Norman, je t'en prie mille fois. Je voudrais que tu t'en ailles maintenant, Norman. Laisse-moi me reposer un peu, s'il te plaît. D'accord. J'ai un million de choses à faire, de toute façon. Un sourire.
avant de partir, je veux que tu saches que... J'essaierai, je m'efforcerai, je te promets de faire de mon mieux pour que vous soyez heureuses, toutes les deux, toujours. Je suis terriblement touchée. Merci. Mais je suis curieuse de savoir ce que tu diras quand cette demoiselle... Comment elle s'appelle? Paige. Paige? Quand elle reviendra avec des résultats très moyens du collège, Norman Paige? Tu es sûr qu'on l'appelle comme ça? Ah oui, nous avons décidé que si c'était une fille, ce serait Paige. D'accord. Donc notre fille Paige... Notre fille Paige va nous obliger à un tas de choses. Il faudra la soigner, la nourrir continuellement, lui changer les couches, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et si tout est normal, nous tuerons à la tâche la machine à laver avant d'avoir fini de payer le crédit. En dehors de ça, si notre fille Paige, en plus, avait la colique, il paraît qu'un tas d'enfants de cet âge ont cet inconvénient. Si donc notre enfant a la colique, tu verras ta vie et la mienne confrontées à l'horreur de son vomi et à ses cris incessants. Rentre à la maison, Norman. Plonge-toi dans ton lit, ferme les yeux et passe une bonne nuit. Ce sera peut-être bien la dernière nuit que tu auras avant fort, fort longtemps. Arrivée à la maison. Première Pâques. Premier amour. J'ai dit oui, je serai là vers 7h30. Norman, nous t'attendons, voyons. Maintenant, je voudrais te demander... Ah non, une minute, tu as dit une seule question. C'est la deuxième partie! Est-ce que ça veut dire qu'à 7h30, tu seras bien rentré à la maison ou est-ce que tu arriveras en retard? Tu sais, Norman, en ce moment, j'essaye désespérément de déterminer si oui ou non je vais rester ici à t'attendre avec toutes ces casseroles sur le feu, après m'être échiné toute la journée à préparer cette mangeaille répugnante! Je te promets d'être à l'heure, mais il faut que je te laisse maintenant. J'ai ma réunion. André, Franck, attendez-moi, s'il vous plaît, j'arrive tout de suite. Monsieur, asseyez-vous. Écoute, je serai peut-être un peu en retard. J'aurai peut-être 10 minutes de retard, tout au plus. Alors tu comprendras pourquoi je serai absente. Au cas où ça te serait sorti de la tête, je te le redis, Norman. J'ai vu encore une fois cette affreuse paire de chaussures noires. Elle s'approche de plus en plus près. J'entends même le crissement des pas et quelqu'un courir après moi. J'aimerais avoir... un peu d'aide et de réconfort de la part de mon soi-disant époux dans une situation aussi pénible. Trudy, Norman, s'il te plaît, Trudy. Nous avons besoin de toi. Oui, une minute. Dès ton téléphone. Au revoir. Je suis désolé, monsieur. Vraiment. Il y a autre chose aussi. J'ai passé des heures à chercher cette satanée robe de soirée pour cette satanée petite fête d'il y a deux jours. Et tu n'as pas dit un mot à ce sujet. Rien, pas un mot de ta part, Norman. Un mari délicat et présent aurait fait une remarque Norman. Aussi sur la toilette de ta femme. Je suis peut-être très laide à tes yeux, Norman. Arrête, je t'en supplie, chérie. Je te demande sincèrement, quelle image tu fais de moi? Un de nos plus importants clients vient de partir. Norman, c'était André Pelletier. Tu es peut-être le patron ici, mais tu devrais t'occuper de tes affaires. Sinon, tu risques de perdre tes clients. Norman! Norman! La toilette de la Miss. La princesse Paige. Le bonheur. Le grand bonheur. Pensive. Encore plus pensive. Tu me fiches cette créature dehors! Je n'en veux pas dans ma maison!
C'est chez moi, et si tu la mets dehors, il n'est pas question que je sois ennuyée par cette affreuse créature toute sale et répugnante, tu m'entends? Tu m'as comprise? Réponds-moi, jeune fille, est-ce que tu m'as comprise? Je t'ai posé une question, jeune fille, j'attends une réponse. Réagis, dis quelque chose. Rudy. Il est vraiment très mignon, ce petit chien, chérie. Où l'as-tu trouvé, dis-moi? Une petite chienne. Oh, pardon. Eh bien, elle est vraiment très mignonne. C'est toi. Bon, je suis prêt dans une minute. Apparemment, ils ont tous réduit leur budget publicitaire ces derniers temps. On a un tas de clients mécontents qui ont annulé leur contrat ce soir. Je suis passée par hasard, j'ai pensé que tu serais encore ici. Si je te remonte un peu le moral, tu retrouveras peut-être la forme pour transformer tous ces clients mécontents en clients heureux. Ouais. Tu as la tête tellement... Oh, je t'en prie. Norman, je voudrais aussi te dire que je suis dans ce que j'appellerais ma phase de restructuration. J'ai vu le docteur Quell aujourd'hui et je subis un examen médical complet et terriblement désagréable. Oui. Cardiogramme, électroencéphalogramme, rayon X. Il m'a fait boire un très grand verre de barium. C'est une expérience très intéressante. J'ai lu une dizaine de magazines de la première à la dernière page en attendant les résultats. Le docteur Quell a pensé que je pourrais être en fin de compte épileptique. En fait, il n'en est pas très sûr. Le problème avec moi, c'est que je n'ai aucun trouble apparent. J'ai une santé de cheval. Le docteur Quell a très bien fait de me dire la vérité. Par contre, j'ai pas sauté de joie quand il a dit que je devrais arrêter de boire, arrêter de fumer et m'éviter le stress. Je crois que je vais d'abord commencer à travailler le stress. Oh, autre chose aussi. J'ai parlé avec un homme nommé Callagher, directeur d'une école d'agents immobiliers. Il pense que je pourrais devenir un excellent agent immobilier. Norman, je me sens très persuasive. Je lui ai donné un chèque de 250 $, un autre de la même somme dans 3 semaines, et un dernier de 250 $ aussi quand j'aurai obtenu ma licence. Je commence les cours lundi matin, à 8 h. Si tu es d'accord, bien entendu. Continuez, Stanley. Dites-moi ce qui s'est passé à votre réunion au sommet. Bien, le docteur Brenner m'a demandé si vous aviez l'esprit créatif. Je lui ai répondu que certaines personnes pensaient que vos peintures méritaient d'être exposées, qu'une fois même, vous vous êtes occupé de toute une exposition avec un budget très restreint. Et je lui ai dit aussi que lorsque vous étiez agent immobilier, le travail exigeait que vous fassiez des comptes rendus réguliers, que vous avez eu des ennuis avec les chiffres. Vous auriez pu être plus rapide. Vous auriez pu lui dire que j'avais des problèmes avec à peu près tout ce qui existe sur cette planète. Quoi d'autre? Qui êtes-vous en ce moment? Serpent. Dangereux? Comme un rat d'égout. Quoi d'autre? Je lui ai dit que vous aviez fait plusieurs excursions dans la forêt et qu'elle était de plus en plus épaisse. Vous
s'exiler. De sa main, elle leur fait signe et leur souhaite la bienvenue. Son doux regard commande par l'entrée du port. Et l'entrée du port, les villes jumelées l'encadrent. Je m'en gardienne de notre histoire, elle se sourit et pleure les lèvres closes. Ta faim, chien? C'est vraiment ce que je préfère. Oui, moi aussi. Donnez-moi mon petit pot. Disparaît. Disparaît là où se trouvent tes rivages. J'accueille les sans-abri et je les protège de la tempête en levant ma lumière au-dessus de la porte dorée. Magnifique. Oh, c'est magnifique, ma chérie. Ça, si tu le récites comme ça, je suis certain que tu l'auras. Trudy, j'ai le plaisir de te présenter la nouvelle Sarah Bernard. Il faudrait que tu montes maintenant. Va faire tes devoirs, chérie. Il est déjà tard. D'accord, j'y vais. Je te rejoins tout de suite. Pardonne-moi. Si tu savais à quel point j'en ai ras-le-bol de tout ça. Non, je ne veux pas être enchaînée. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne veux pas être changée? Enchaînée. Ah, enchaînée. Comme un chien. C'est très important ce qui arrive à Paige. Cette petite récitation lui permettra d'être sélectionnée à son école. Elle veut jouer la pièce. Tu aurais dû l'applaudir très fort et l'encourager, elle en a besoin. Tu peux peut-être aller la voir tout à l'heure et la serrer dans tes bras et discuter. Tu ne peux pas le faire. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas bien compris. Je croyais que tu disais changer. Je suis très inquiet, Trudy. Mon cœur a des difficultés à suivre. Parce que je crois... En fait, je sais. Et tu le sais, toi aussi. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça change. Tu secoues la tête, pourquoi? Non, pas tout de suite. D'accord, alors, dis-moi quand, je t'en supplie. Dis-moi quand. J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout, c'est ça, comme toujours. J'ai choisi de le faire. Tu as une dette envers moi, jeune fille. Tu dois m'obéir. Et je veux que tu agisses comme une lady. Tu entends? Tu n'es pas un garçon. Tu dois parler sans crier. Agir en adulte. Ah, tu vas te mettre à pleurer. Tu n'as aucune raison de pleurer. On est dans un monde très dur. Tu dois apprendre à y vivre. Reviens ici. Reviens ici tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, madame Doré?
Trudy? Trudy? Tu es réveillée? Je ne pense pas. Essaye de te lever. Non, va-t'en. Je ne dors pas, tu ne dors pas. C'est la nouvelle règle de la maison. Ta petite fille et la mienne est rentrée seule à la maison après l'école aujourd'hui. Et elle m'a appelé au bureau. Elle était bouleversée. Elle m'a raconté que tu lui avais dit ceci. C'est vrai? Non, c'est rien du tout. Trudy, tu peux jurer ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, mais s'il te plaît, arrête de répondre. Je n'en sais rien du tout aux questions dont nous connaissons tous les deux les réponses. Quelqu'un lui a dit ceci. Quelqu'un lui a fait de la peine en lui disant ceci et l'a bouleversé. Papa? J'arrive, ma chérie, j'arrive. Souviens-toi, ce soir, on avait projeté d'aller au cinéma tous les trois, et puis ensuite, on devait aller dîner quelque part. Très bien. Je dirais que t'es souffrante. Elle ne me croira certainement pas, mais c'est ce que je lui dirais. T'es d'accord? Pourquoi est-ce que tu t'es arrêté, père adoré? Jette un coup d'œil à ta vie. À notre vie. Est-ce que cette vie te plaît, Trudy? Tu es satisfaite de tout ça? Je devrais réfléchir et essayer de faire le point, moi aussi. Non. Dis-moi ce qu'il y a. J'en sais rien du tout. Trudy, je t'en prie. Je t'en supplie, fais un effort. Essaye de trouver ce que tu as. Je pense avoir la migraine. Mais je ne souffre pas. C'est comme si quelque chose était sur le point d'exploser sans jamais se décider à le faire. Vous en avez parlé avec votre médecin? Je ne m'en souviens pas. Je ne crois pas, non. Nous nous sommes plutôt inquiétés des syncopes. C'était très effrayant. C'est comme si, à votre réveil, tout le monde vous demandait comment c'était. Et vous ne savez même pas où vous étiez. Et comment vous étiez? Ces syncopes effrayaient beaucoup Norman. Il m'a incité à aller voir un médecin, un psychiatre, à faire un tas d'examens. On m'a prescrit quelque chose et j'ai eu la bouche qui moussait. Une femme qui bave et qui mousse n'avait rien de rassurant pour Norman. Ah! Comment tu vas, jeune fille? Salut, maman, tu sais, j'ai eu ma note d'algèbre, c'est super, oui. J'ai eu un... Chouette, t'es déjà là! Salut, ma petite fille! Salut, papa! Eddie est encore là. Merci. Tu veux savoir combien j'ai eu en algèbre? Bien sûr. D'accord. Qu'est-ce que tu dis d'un B+? Ça t'épate, hein? Je suis vraiment content, hein? J'étais sûre que tu serais content, papa chéri. Et la preuve de cette note magnifique? Elle est dans mon carnet. Tu sais que je te crois sur parole, chérie, mais j'ai envie de jeter un petit coup d'œil, d'accord? En route. Il faut déposer notre projet. Oui, il y a déjà un moment que j'y pense. Les études géologiques ont déjà été faites. Le terrain est bon et ça me paraît être favorable à 100% pour développer le projet. Attends une seconde. Paige va bien? Oui, elle va bien.
Alors, qu'est-ce qui se passe, Norman? Je dois téléphoner à Anbrecht pour qu'il me dise combien je lui dois. Anbrecht? Le docteur Anbrecht, Trudy. C'est lui qu'on vient d'aller voir. C'est vrai? Oui, on en vient. Tu ne t'en souviens plus? Si, bien sûr, je me souviens d'un tas de choses, mais il faut que je travaille. On verra ça tout à l'heure, d'accord? Eddie, désolé. Écoute, je crois qu'on peut publier les annonces maintenant. On n'a même pas besoin d'attendre l'accord définitif. Ça devrait marcher comme ça. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux qu'on voit ça maintenant. Voir quoi maintenant? Voir si tu te souviens. Raccroche ce maudit téléphone et passe un peu de temps à t'occuper de ta vie. Ce maudit téléphone me sert à régler des affaires importantes qui me permettent d'avoir un peu d'argent pour cette maudite maison, je te signale. Eddie, on peut décrocher un tas de clients avant tout le monde. Ok, ok. Oui, mais... Non, non, attends, attends, j'irai, je peux y aller. Ok. D'accord. On va faire la cuisine, chérie. Papa et toi, vous vous êtes disputés? Mm-hmm. Dis-moi un peu, mm-hmm. Beaucoup. C'est quoi? Oh, je suis contente pour toi, chérie. Ah, vraiment contente, c'est bien. Papa doit avoir faim. Norman, tu peux me dire, s'il te plaît, ce qui t'arrive? Qui es-tu? Qui es-tu? Combien de personnes es-tu? Je suis continuellement avec quelqu'un d'autre. On dirait que tu es multiple et personne à la fois, tout le temps en représentation. Je t'en prie, Trudy. Parle, s'il te plaît. Dis quelque chose. Je ne sais jamais qui tu es, à quel endroit tu te trouves. Tu changes d'une minute à l'autre. Évite de te réinventer un nouveau personnage. D'où viens-tu exactement? Est-ce que tu peux répondre? Peux-tu dire quelque chose? Non, non, bien sûr que non. C'est totalement impossible. Mon Dieu, non. Ça serait la seule chose sensée à faire. Et s'il y a bien une chose qu'on ne sait pas faire dans cette maison de fous, c'est d'avoir une attitude sensée. C'est une histoire qui ne finira jamais. Tu sais ce que je vais faire? Est-ce que tu sais ce que je vais faire? Ce soir, là, tout de suite. Je vais aller en Écosse. Je vais prendre le premier, le plus rapide des avions qu'il y aura. Je vais aller en Écosse. Et lorsque j'y serai, je chercherai l'endroit exact de la tombe de ce cher Robert Louis Stevenson. Et je gratterai la terre comme un fou avec mes ongles. Et je secouerai sa dépouille jusqu'à ce qu'il m'entende. Et je dirais à Steve, non, Bob, vous n'avez pas inventé Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Je lui dirais que c'est toi qui les as inventés. Toi qui permets à ces deux espèces de salauds de vivre tranquillement, ici, devant mes yeux. Je me suis trompée de...
étranger? Non, non, vous êtes au bon endroit, madame. Mais vous ne trouverez pas de livres sur les enfants maltraités. Le rayon est toujours vide. Il y a des gosses qui viennent et qui raflent tout ce qu'il y a. Attendez! Pourquoi les gosses? Ils doivent être maltraités, eux aussi. On leur a dit d'en parler à personne. Ces bouquins leur disent qu'ils sont pas tout seuls. Ces parents-là, il leur faudrait un coup de fusil. Est-ce que vous chassez beaucoup, monsieur Hez? Non, non, pas beaucoup. Une fois ou deux, quand j'étais gosse, on tirait sur les moineaux et on peut pas dire que j'aimais ça. Tout au long de votre vie, il y a un bruit que vous n'auriez jamais voulu entendre. C'est celui du petit lapin blessé. À coup de fusil, vous avez dit? Expliquez-vous, monsieur Hez. Ces pauvres gosses grandissent et deviennent des parents, eux aussi. Et très souvent, ces parents-là maltraitent leurs propres enfants. La bibliothèque va fermer. Veuillez poser les livres sur les tables. Il est inutile de les remettre à leur place dans les rayons. Tu es là? En bas. Un homme a téléphoné ce matin. Il s'appelait De La Peña, je crois. Ça te dit quelque chose? Ah, non, absolument rien. C'est beau l'Écosse, à cette époque de l'année. J'y suis pas allé. Pourquoi faire? Je ne te dérange pas, j'espère. J'ai essayé de faire le point, Trudy. Je vais essayer de t'en parler le plus simplement possible. Je t'aime. Je t'aime très fort. Et malgré l'ampleur de cet amour, les 3/5 de ma raison me disent qu'on ne peut pas survivre à ça. Je suis désolée de t'avouer ça comme ça, Norman, mais... J'ai peur. J'ai terriblement peur. Je crois que je pourrais... la blesser. Qu'est-ce que tu dis? Tu crois que tu pourrais quoi? La blesser. La blesser? Oui. Blesser qui, Trudy? Paige. Tu as dit Paige? Tu pourrais blesser notre fille, Paige? Oui. Allume ma cigarette, sinon je sens que je vais mourir d'inanition. Est-ce que ça te fait du bien? Pas vraiment, non. Quand est-ce que tu iras voir un docteur? J'en sais rien. Soir, demain, plus tard, peut-être. Pourquoi tu aurais l'intention de blesser Paige? Je n'en ai pas l'intention. Mais j'ai peur de ne pas pouvoir réussir à me contrôler. Oh, j'en sais rien du tout. Oh, cette horrible petite voix que tu as par moment. Ça me rend complètement fou. Et tu penses la blesser comment? En achetant une arme, en lui tirant dessus? J'en sais rien du tout. Je sais seulement que je n'ai aucune confiance en moi.
C'est déjà mieux que de rester sans rien dire du tout. C'est déjà mieux, c'est certain. Tu vas nous quitter, c'est ça? Tu vas t'en aller, tu vas t'enfuir, c'est ça? C'est ça que tu essaies de me dire. C'est ça? Je suppose que tu as l'intention de prendre quelques bagages, des vêtements, ta brosse à dents. Est-ce que par hasard, tu aurais aussi prévu de t'arrêter à la porte de sa chambre et de lui dire au revoir en passant, ou quelque chose de ce genre? Tu n'as pas entendu un seul mot de ce que je viens de te dire. Si, j'ai entendu. J'ai entendu absolument tout ce que tu as dit. Et j'ai aussi entendu ce que tu n'as pas dit. Et tu comptes peut-être sur moi? Je dois aller voir ta fille et je dois lui apprendre que tu l'as abandonnée. Je suis en train de marcher sur une lame de rasoir, Norman! Écoutez, je crois qu'il faudrait que vous en discutiez. Je vous aide. Avec un... Je vous en prie. S'il vous plaît, je vous en supplie, aidez-moi. Je crois que je vais devenir folle. Pendant très longtemps, pendant des années, j'ai eu des difficultés à me souvenir de certains moments de ma vie. Je n'arrive pas à me rappeler certaines choses. Des dates, certains moments, et puis certaines personnes. Oh, je sais me débrouiller, vous seriez surprise. À quel point je me débrouille sans aucun passé. Parfois, j'ai... des images qui me reviennent. Pendant quelques instants, je prends conscience de ce que je suis. Mais... la plupart du temps, je suis dans le noir complet. J'ai tué quelqu'un. Attendez. S'il vous plaît, attendez une seconde. Salut. Qui avez-vous tué? J'ai tué mon beau-père. Votre beau-père? Oui. Quand l'avez-vous tué? Il y a très longtemps. Pourquoi l'avez-vous tué? Parce que lui aussi, il m'a tué. Apparemment, il n'a pas réussi. Pourquoi? Eh bien, vous êtes encore en vie, vous êtes en train de me parler. Mais dites-moi, où êtes-vous? Oh, sérieux? Est-ce que vous appelez de chez vous, d'une cabine téléphonique, ou bien... J'en sais rien du tout. Bon, je vous demande de rester où vous êtes. Je m'appelle Albert Johnson, et vous, qui êtes-vous? Vous êtes encore là? Si je vous donne mon nom, vous aurez une partie de moi. Eh bien... donnez-moi un nom, n'importe lequel. Quelque chose qui me permette de garder le contact avec vous. Alors appelez-moi 12. D'accord. 12. Vous avez appelé ma camarade parce que vous aviez besoin d'aide. J'aimerais vous aider. Pourquoi? Eh bien, très franchement, je suis là pour ça. C'est mon travail. Quel genre de travail c'est? Je suis officier de police.
Attendez un moment, je vous prie. Je vais vous le passer. Allô, Johnson à l'appareil. C'est 12. 12? Oh, je suis content de vous entendre. J'ai trouvé la personne idéale pour vous. Il s'appelle Phillips. Une psychothérapie? Oui, pendant 6 ans. Et j'ai enseigné. Et soigné des clients. Victimes de l'inceste et des délinquants aussi. Des délinquants? Oui, c'est un facteur très important dans mon travail. Je dois apprendre. J'essaie de faire ce que je peux pour aider. Vous enseignez quoi? En principe, tous mes étudiants ont l'intention de devenir des thérapeutes. Vous leur enseignez comment répondre au téléphone? Oui, ça paraît assez original. Mais oui, si la situation se présente, il faut qu'ils sachent comment faire. Je pense qu'il faudrait que je clarifie quelques petites choses maintenant. Mm-hmm. C'est mon beau-père, pas mon véritable père. Est-ce que c'est un inceste? Oui, bien entendu. Le beau-père est substitué du père dans ce cas-là. Quand voulez-vous commencer? Oh, j'en sais rien du tout. Jeudi, est-ce que ça vous convient? J'ai beaucoup de clients, jeudi. Vers 19h, après mon dernier cours. Oh. Il y a un plan au dos. Vous n'aurez aucune peine à trouver. Pouvez-vous dire comme ça en me regardant si oui ou non je suis folle? C'est quelque chose qui vous inquiète? Oh. Avec tout ce qu'il y a dans ma tête. J'en sais rien du tout. Je ne veux pas agir comme une folle, mais pour certains imbéciles du monde des affaires, j'aurais tendance à être. Par exemple, si un serveur au restaurant s'avance un peu trop doucement derrière moi, je me mets à hurler comme une oie. C'est assez bizarre. Il y a aussi les collègues avec qui je travaille, mes clients. Ils sont plutôt mal à l'aise. Si ça devait se poursuivre, ils auraient des doutes sur mes compétences. Je n'ai aucune mémoire. Enfin, je veux dire que je n'ai aucune mémoire. Disons, pas assez de mémoire pour me souvenir de tout. 4 ans, 5 ans, 10 même, tout ça s'est envolé. Toutes ces années sont vides. Vous voulez que je continue? Je sens que je perds le contrôle. Continuez. Vous savez, parfois j'ai envie de dire « nous » à la place de « je ». Parce que continuellement, j'ai l'impression, enfin, nous avons l'impression de nous tenir un peu à l'écart et que d'autres prennent le relais. Un tas d'autres personnes. Vous ne dites pas grand-chose. Je suis plutôt un auditeur. Restez à l'écoute, restez à l'écoute. C'est ce qu'on dit dans la marine. Oui. Ma mère disait... J'étais une petite cinglée et le beau-père le disait lui aussi. Vous vous dites quoi? Eh bien, je suis certain qu'il y a beaucoup de choses dans la mémoire, des tas de choses qui ont été enfouies. Elles sont quelque part, il faut simplement qu'on découvre comment les faire ressurgir. De quelle manière on y arrive? Oh, il y a des tas de moyens, des techniques. Je suis persuadé que nous découvrirons celle qui marchera. Pour aller à l'intérieur de ma tête? Ok, imaginons que nous sommes dans ma tête, qu'on puisse jeter un petit coup d'œil. Et ensuite? Eh bien, disons qu'ensuite, ça dépendra du genre de petit coup d'œil qu'on y aura jeté. Comment on vous appelle en général? Docteur, Robert, Bob, Rob. Vous choisissez. Stanley. Nous vous appellerons Stanley. Ah, d'accord. Je sais, ça fait un peu vieux jeu, mais... Au moins, il n'y a pas de connotation autoritaire. Nous avons eu des problèmes avec l'autorité. Stanley, ça me plaît bien. Stanley. Et si, en fin de compte, on ne découvrait absolument rien? Oh. Et si, en fin de compte, c'était uniquement une perte de temps et une bonne perte d'argent? Vous pensez que ça aiderait quelqu'un si vous filmiez toutes mes séances de thérapie? Vous pourriez les utiliser pendant vos cours, par exemple. Peut-être, oui.
En fait, ce serait certainement très intéressant, mais ce serait entrer dans votre intimité, ça pourrait vous gêner. Stanley, ce qui s'est passé en moi, ça s'est passé en toute intimité, sans aucun témoin. C'est justement ce manque d'extériorisation qui me détruit. Vous voulez que je vous signe un papier? Je vous signe un papier. Ah oui, c'est très bien comme ça. Vous êtes 12. Cette caméra serait mieux à cet endroit. Salut. Je suis Albert Johnson. J'ai discuté avec vous au téléphone. J'ai raccroché plusieurs fois. Deux fois. Mais je rappellerai? Oui. Je suis contente de vous connaître, Monsieur Johnson. Très content, moi aussi. Prête? Allons-y. Venez par là. Puis votre tête contre le dossier, essayez de vous rappeler, c'est ça, oui. Installez-vous confortablement. Il est important que vous soyez bien. Vous êtes bien? Oui, j'en ai l'impression. Bon, très bien. Je ne sais rien. Essayez de vous détendre, décontractez-vous totalement. D'accord. Laissez-vous aller, voilà. Et vous vous détendrez de plus en plus. Vous êtes de plus en plus décontracté. Laissez-vous aller. Laissez aller. Regardez le plafond. Essayez de le faire sans bouger la tête, avec vos yeux uniquement. Regardez en haut avec vos yeux, regardez aussi loin que vous le pouvez. Vos yeux vont commencer à se fatiguer, à s'alourdir. Quand vous les sentirez s'alourdir, vous pourrez les fermer. Vous allez compter à rebours de 10 à 0. De 10 à 0, vous vous sentirez de plus en plus décontracté, de plus en plus décontracté. Vous entendrez encore ma voix, vous comprendrez tout ce que je dirai. Vous pouvez commencer à compter de 10 à 0. 10, 9, 8. Plus lentement, lentement. 3, oui. 7, 2. Comptez. 1. Comptez. 0. Soyez bien à l'aise. Détendez-vous bien. On va retourner dans le passé et essayer de jeter un petit coup d'œil à certains de vos souvenirs. Je détestais cette grange! Continuez. C'était en été que ça se passait. On avait tous nos corvées, je devais aller chercher de l'herbe fraîche dans le jardin. Je devais passer devant la grange. Tout était ouvert, j'ai pu voir ce qui se passait. Annie était avec lui par terre. La jolie chevelure rousse recouvrait son visage. Et il s'amusait à un de ses petits jeux avec elle. Quand j'en ai parlé ensuite, elle a dit que c'était son père et qu'elle l'adorait. Vous aviez quel âge à cette époque? 9. Quel âge avait Annie? 7 ans! En ce moment, quel âge avez-vous? 12 ans, Stanley. J'ai 12 ans. J'adore peindre. Quel est votre nom? Je suis 12. Il venait toujours vers moi dans le noir. Ou alors, il faisait le noir. Je ne savais jamais quand il venait. Il se trouvait là. En face de moi. C'est facile de surprendre un enfant. On évitait le plus possible d'aller dans la petite cour ou de descendre dans le cellier ou les toilettes. Parce que
nous obliger à faire ça. Que ce soit bien clair, Stanley. Oui, et que ce soit bien clair pour vous aussi. Une seule partie de nous a épousé Norman. Une seule partie, c'est tout. Ah, et puis non, hein. Vous savez ce que ça veut dire. Vous devenez le reflet de la femme que votre mari souhaite avoir. Et nous, nous ne voulons pas être le reflet de qui que ce soit. Pour aucune raison. On vous tue la tête. C'est votre réussite, tout le monde vous félicite. C'est le bonheur grâce à cette maudite institution du mariage. On porte le nom de monsieur et puis on devient une merde. Qui êtes-vous? Pouvez-vous me dire qui vous êtes? Non. Bien, alors nous allons essayer de le découvrir. Trudy était l'enfant initial. Ensuite, des personnes successives ont fait leur apparition. Dites-moi où est Trudy aujourd'hui? Je veux retrouver l'enfant perdu. Elle s'appelle Trudy et elle a disparu il y a des années. Elle a été la victime d'un horrible sadique qui a abusé d'elle. C'était une jolie petite fille, une enfant adorable. Que lui est-il arrivé aujourd'hui? Où est-elle aujourd'hui? Elle est partie, Stanley. Elle est très loin. Vous saviez que ce moment viendrait, ce moment où je viendrais faire le point dans ma tête, le point sur toutes ces personnes qui vivent à l'intérieur de moi. Eh bien, ce moment est arrivé. Vous saviez également que c'était une chose que je devais faire seule. Vous ne me verrez pas avant que tout soit éclairci. Par contre, une chose est tout à fait claire. Quand vous posiez une question, aucune personne du nom de Trudy ne vous a jamais répondu. C'était toujours quelqu'un de la troupe. D'où vient cette troupe? Bien, disons simplement que la troupe a commencé à arriver un jour d'été, dans le champ de blé. Le beau-père était là, attendant qu'elle passe en trébuchant, attendant pour lui enseigner un de ses jeux. Elle avait 2 ans, Stanley. C'était la première fois. Que s'est-il passé ce jour-là, et tous les jours, et toutes les années qui ont suivi? Comment avez-vous appelé cela, une surcharge émotionnelle et physique? Il est tout à fait évident que la troupe est venue à la rescousse ce jour-là. Plus les choses étaient horribles, et plus nous étions nombreux. Cher vieil ami, nous voulons que vous sachiez aussi que nous savons que vous avez deviné que nous n'avons jamais vraiment répondu à votre question. Qu'est devenue la petite fille dans le champ de blé? Où est-elle? La réponse se prépare, Stanley. Elle arrive. Par contre, 1000 fois par contre, Stanley, dès maintenant, nous pouvons vous assurer que nous ne sommes pas ce genre de choses sans importance que l'on quitte à la fin d'un roman de science-fiction. Ces incapables qui tournoient au-dessus de la créature qui les a hébergés, lui faisant un signe de détresse et lui criant « Laisse-moi revenir !» Ça n'est pas du tout ça. Nous sommes tous tout à fait réels. Nous pensons. Nous nous comprenons les uns les autres. Ces 2 mois passés ici ont été très fructueux pour nous, Stanley. Et ça, vous le saviez certainement, et vous aviez prévu tout ce que nous avons dit depuis longtemps. Mais vous vouliez être sûr que ça nous arriverait, c'est ça? Oui, bien sûr. Une seule chose ne peut être changée, Stanley. Nous resterons tous ensemble, mais nous resterons seuls jusqu'à la fin de notre vie. C'est ce qu'il y a de mieux, Stanley, et c'est devenu évident quand un de mes amis a appelé d'Espagne. Ça ne nous dérangeait plus du tout.
Bonjour. Bonjour. Ah ah. Elle a finalement admis qu'elle était multiple. Oui. Vous pouvez l'aider? Oui, je crois. Sur la bande qu'elle a envoyée, elle commençait à parler de choses qu'elle n'avait jamais évoquées. C'est bon signe. Elle n'a pas dit où elle se trouvait? Non. Ou comment elle arrive à vivre? Non. Ok. Ok. Mais bon sang, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous réagissez comme un flic. Mais c'est ce que je suis, en fin de compte. Hein. Faut que je vous dise quelque chose à son sujet. Au niveau des responsabilités, c'est limite. On n'a pas agi dans les règles. C'est une personne disparue. Il n'y a personne qui l'a vue ou entendue depuis plus de 36 jours. Au regard de la loi, on considère qu'une personne a disparu après que 24 heures se soient écoulées. Mais je n'ai fait aucun rapport pour l'instant. Mais si je le fais, je vais devoir mentionner qu'elle est émotionnellement instable. Oh, c'est ça, oui. Il ne faut surtout pas manquer ce petit détail dans votre précieux rapport. Essayez de comprendre, Toubib, je le mentionnerai parce que je dois le faire. C'est une cinglée, bien sûr, une folle alliée. C'est une personne totalement vide, ça, nous le savons tous les deux. Il n'y a aucun secret là-dedans. Elle est tellement dissociée que parfois, elle ne sait pas quel jour on est. Elle ne sait pas du tout qui elle est ou ce qu'elle est. Bien sûr, mentionnez tout ça dans votre précieux rapport. Je vous en prie, docteur, écoutez, je veux vous juste... Vous pouvez également mentionner le fait qu'elle peut être une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de personnes différentes qui sont toutes sur le point de la transformer en une véritable cinglée. Elle pourrait devenir alcoolique, ou elle pourrait se droguer aussi, ou se suicider, ou les trois à la fois, ou même devenir une prostituée. Mais elle n'est rien de tout ça. Elle est juste émotionnellement instable, vous comprenez? Oui. Bien. Vous savez pourquoi elle n'est rien de tout ça? Parce que... L'esprit humain est étonnant. C'est une étrange et merveilleuse machine. La femme en question, Trudy Chase, est en train de vivre, de marcher, respirer. C'est bien la preuve. Évidente, puisque par tous les dieux, elle fonctionne. Dans chacun de ces flashs, il y a aussi le souvenir de la beauté extraordinaire de la nature. La vie aurait pu être tellement belle sans la mère et sans le beau-père. Parfois, la beauté vous inonde, l'herbe haute en été, l'odeur du céleri après une pluie de printemps. En automne, l'odeur des pommes et tous ces petits animaux qui se préparent à passer l'hiver. Mais au printemps surtout, oh, quand les vergers éclatent en fleurs du jour au lendemain, le parfum des pommes et les milliers d'abeilles qui butinent. Je ne veux plus jamais voir un animal ou un pommier de toute ma vie. Elle est là-haut? Oui. Je suis venu vous rendre visite. Vous êtes d'accord? Pourquoi vous venez ici? Vous avez des amis, j'ai des amis. Est-ce que vous avez besoin d'autant de lumière? Je vous connais. Vous me connaissez? Est-ce que vous avez un nom? Bien sûr que oui. Nous vous avons envoyé la cassette. Ah oui. Est-ce que je peux monter? Fermez la porte. Appuyez sur le bouton du troisième étage. Fermez la porte, fermez la porte. Vous avez eu la cassette? Oui. Oui, mais ce n'était pas très clair. La troupe, mon cher, la troupe. C'est nous. Épaule contre épaule, elle vient quand on l'appelle. 9 personnes, 90 combien? À vous de compter, ils sont tous là, des hommes, des femmes, des gosses. Et il y a même une bonne sœur.
À qui je m'adresse? Vous disiez que vous aviez reçu la liste, mon cher. C'est juste, mais croyez-le ou non, j'ai du mal à me souvenir de tous les noms. Qui est cette femme? Cette femme qui était, selon vous, sans esprit, celle que vous nommez Façade. Elle opère dans le monde sans aucun souvenir du beau-père. Elle est de la troupe, comme nous tous. Nous la remettons sur le droit chemin. Vous la protégez, hein? Je parle avec le petit Joe, c'est ça, Joe? Oui, bravo, en plein dans le mille. Attendez, attendez. Qui est en train de parler quand le « je » est prononcé et qui est en train de parler quand le « nous » est prononcé? N'importe lequel d'entre nous peut dire « je ». Chacun d'entre nous peut dire « nous » quand il s'identifie à la troupe. Dans certains cas, d'autres « nous » ne sont pas vraiment avertis de l'existence des autres. Il y a le moment très particulier, celui du rassemblement de la troupe, où nous sommes tous ensemble. C'est comme lorsqu'il y a un nuage dans le ciel. Vous ressentez l'humidité sur votre corps et vous savez que la pluie va arriver bientôt. Vous nous manquiez cette année. Merci. Il faut que vous fassiez un choix. Soit vous acceptez le fait que vos multiples personnalités sont perturbantes, soit on arrête tout de suite. J'ai déjà accepté. Non, laissez-moi finir. Si vous l'acceptez, vous devez descendre beaucoup plus loin, beaucoup plus au fond de vos souvenirs. Et je n'ai aucune idée du traumatisme que cela peut provoquer en vous. L'autre solution, c'est de tout arrêter tout de suite et de continuer à vivre comme vous avez vécu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire morcelé et dans la peur. Je peux avoir le ketchup Stanley. Vous avez du ketchup? Merci infiniment. Je vous en prie. Alors? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse encore? C'est simple. Ce que vous faites et ce que vous avez déjà fait. Ah! Écoutez, trop dit, trop dit. Ce que vous avez fait, c'est que... Et c'est que ce que vous êtes en train de faire, c'est vivre dans un univers totalement imaginaire que vous avez inventé de toutes pièces. Vous niez votre propre existence. Depuis toujours, vous êtes terrorisé à l'idée d'affronter la réalité ou encore d'affronter votre inconnu. Je suis morte de peur, Stanley. Et vous me faites encore plus peur. Non, je n'ai pas du tout cette intention. C'est tout à fait le contraire de ce que je veux faire. Par contre, j'aimerais que vous compreniez... Il n'y a rien à comprendre, c'est évident. Vos intentions sont très simples. Nous avons très bien reçu le message. Tout est très clair. Vous voulez nous intégrer tous, sans exception, dans une seule personne. Je ne veux pas vous mentir, c'est tout à fait ça. L'intégration, c'est ça le but de notre thérapie. Dans ce cas, j'éviterai de vous mentir aussi. Il y a une question qui me trotte dans la tête. Je me demande lequel d'entre nous vous allez tuer en premier. Nous, les survivants, nous aimerions être au courant. Ce sera peut-être 12. Ou peut-être le lapin. C'est pas facile de s'en débarrasser. Petit Joe aussi. Cette guérison dont vous êtes en train de parler, cette intégration, ça ressemble à un meurtre. M'avoir ramené. Aimant. Maintenant, on se connaît beaucoup mieux. Salut, pas. Bonjour, chérie. Dis, est-ce que tu verrais un inconvénient? Est-ce qu'on aille dîner quelque part ce soir, tous les trois? Oh, on sera pas tous les trois. Maman risque d'amener toute la troupe avec elle. Qu'est-ce que tu en dis? Non, merci, Norman.
Trudy, j'ai des choses à te dire. Terminé. Très bien. Où sont les toilettes, s'il vous plaît? La porte à gauche. Merci. Merci. Je reviens. C'est vraiment dur. Je ne me suis jamais senti aussi embarrassé de ma vie. Je vais mourir, Trudy. C'est... moelle épinière. Inopérable, incurable. Aucun traitement, il n'y a plus qu'à attendre la fin. J'ai cherché une grande phrase pompeuse pour te le dire, mais j'ai pas trouvé. Je crois que tout simplement, j'en ai plus qu'assez de vivre. Et en même temps, je vais avoir des difficultés à mourir lentement. Pose-la devant la porte. Personne qui ne ressent rien, vous semblez assez... Ça change de toute manière. Vous ressentez quelque chose ou non? Je sens que je suis en train de me laisser manipuler encore une fois. Vous devriez le savoir, mon vieux. C'est une vieille, vieille habitude chez moi, être manipulée. Vous savez la suite. Il ne voulait pas que je lui apporte à manger. Quand il était vraiment sûr d'être seul dans la cuisine, il montait et il utilisait le micro-ondes. Il disait qu'il ne voulait pas qu'on le serve, mais en fait, il est évident qu'il voulait éviter que quelqu'un le voie. Et quand il était dans cet état, il disait qu'il irait à l'hôpital. Il ne voulait pas que Paige garde un mauvais souvenir de lui. Il disait que le cancer était une maladie très gênante. Vous savez ce qu'il disait aussi, Stanley? Il disait... quand je croise ton regard, je sens que l'homme que j'étais s'en est allé depuis longtemps. Notre Seigneur Tout-Puissant a rappelé notre frère Norman à ses côtés. Nous livrons son corps à la terre. Il est venu de la terre, il retourne à la terre. Son corps était poussière, il redeviendra poussière. Que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, lui donne sa bénédiction et l'aide à entrer dans la lumière et lui ouvre les portes de la vie éternelle. Que la paix soit avec lui. Amen. Amen. Parlez-moi du puits. Quel puits? Vous avez dit qu'il y avait un puits à la ferme. Oui. Oui, il y avait un puits. On ne s'en servait jamais. Il était... l'eau était contaminée. Essayez de décrire ce puits. Il y avait une manivelle. Et une corde pendait dans le trou. Le trou était très très profond.
Quelle profondeur? Dix ou quinze mètres, je crois. Et qu'est-ce qu'il y avait au bout de cette corde? Une sorte de paquet. Un baquet comme celui-ci? Cadeau pour toi. Arrête de hurler, ça vient de ton père. Un petit cadeau pour toi, chérie. Hop, hop, ça tombe, attention. Attention, ça va. Voilà, un petit bout. Maintenant, on va apprendre un nouveau jeu. C'est fini. C'est fini, là. C'est fini. Non, 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 non. Ça s'est passé une fois. Une seule journée. Une fois, une seule journée. Ça ne se reproduira plus jamais. Jamais. Je vous le promets, je vous le promets. Bienvenue à l'aéroport de Monroe-Rochester, New York. Les passagers qui prennent un autre vol sont attendus dans le hall de l'aéroport où on leur indiquera les heures de départ. Vous êtes priés de rester assis jusqu'à ce que le commandant de bord vous signale que vous pouvez descendre. Avant de quitter l'avion, veuillez vous assurer que vous emmenez bien toutes vos affaires. Le petit John, âgé d'environ 5 ans, attend sa maman à l'accueil. Le petit John, âgé d'environ 5 ans, attend sa maman à l'accueil. Warren, vous dites? Oui, c'est ça. Vous voulez vous venger? Ou vous voulez la paix? Vous ne pouvez pas avoir les deux. Si vous choisissez de vous venger, alors dans ce cas, l'être humain pense que vous êtes folle. Tous vos soi-disant amis vous le reprochent durement. Et finalement, ils vous plaignent. Et vous assaillent de paroles vides et sans intérêt. Si vous choisissez la paix, tous les jours de votre vie peuvent être un véritable chef-d'œuvre. Les amis en qui vous avez confiance vous le garantissent. Très bien. À ce que je vois, ta résolution est prise. Alors voyons un peu la tête de cette espèce de salaud.
Paul Schmidt? Je suis Paul Schmidt. Non. Paul Schmidt. C'est moi. Qui êtes-vous? Non. Vous n'êtes pas Paul Schmidt. Il doit y avoir une erreur. Le Paul Schmidt que nous cherchons est un homme très fort et il est brun aussi. Je suis Schmidt, je vous dis. Non, c'est faux, vous mentez. C'est impossible. Vous êtes laid, vieux et médiocre. Un vieil homme voûté est déjà mort. Quoi? Mort. Arrgh. Je vous connais. Vous êtes celle que je crois, c'est ça? On est un grand nombre de personnes. Vous n'avez jamais connu toutes celles qu'on était. Attends. Et reviens ici. Je veux te parler. Reviens, je t'ai dit. Champagne, non, merci. Ce sont des situations très difficiles. Champagne, mademoiselle. Oui, oui, vous avez raison. Hey, Toubib, il y a une surprise dehors. Venez voir, cela vous remonte le moral. Elle a l'air en pleine forme. Vous verrez, vous allez passer un joyeux Noël. Dehors, là, regardez, elle vous attend. Joyeux Noël. Non à l'intégration. Ah, ce serait la pire des choses que vous pourriez faire. Non à l'intégration. Non à la mort. La coopération, la vie. Nous serons toujours plus nombreux que vous, Stanley. Thank you.